Bonjour à tous! Mais comment ça va? Bien cross, Léo, tout le monde! Vidéo très spéciale. Alors, on fait pas. On a TikTok. Moi, j'ai un compte TikTok. T'as un compte TikTok. Mais on fait pas beaucoup de challenge TikTok. Du coup, on se challenge jamais. Dans cette vidéo, on va tous les faire. Tous ceux qu'on a ratés. C'est pour ça qu'on a les yeux bandés. Benjamin, tu vas devoir dessiner la forme derrière toi sans repasser par le même trait en un seul coup de crayon. Premier challenge TikTok. C'est parti, Benjamin! Viens mon Léo. Je vais me faire avoir. Vas-y, franchement Ben, quand tu veux, tu peux en général. Vas-y, fais. J'ai les yeux bandés, mais je vois quand même la coupe de Ben. C'est fou, hein. Ah oui, ok. Pap. T'as réussi? Alors. T'as réussi? Non, en fait, non. J'ai fait tomber le stylo. D'accord, Léo, tu veux essayer? Avec grand plaisir. Viens là, Ben. Bon, je me suis pas mal débrouillé, les gars, je tiens à vous le dire. Ah ouais, tu penses? T'es sûr ou... Léo, c'est ton tour. Est-ce que vous aussi, vous avez l'impression qu'il y a un homme assis sur votre visage, comme ça, avec comme ça, toutes ses fesses ici? Non, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être un genre de petit oreiller sympa en soi. Moi, j'avais l'homme, hein. J'avais clairement l'homme. L'homme, bien sûr. Et c'est pas désagréable. Vas-y, Léo, quand tu veux. Il a pas compris parce qu'il a pas enlevé son bandeau. Il est en train d'essayer de dessiner quoi. Il y a des vannes que j'ai pas. J'aurais pas toutes les vannes pour l'instant. Attends, mais c'est quoi le... Attends, Pierre, j'ai pas compris. Là, t'enlèves ton masque. Et là, maintenant, tu découvres ça. Vas-y, regarde, tu découvres. Et là, tu dois dessiner là-dedans en un seul trait. Ah, mais du coup, Pierre, je comprends mieux parce que j'avais pas compris. Sinon, je comprenais pas comment on pouvait savoir la forme. Voilà. Toi, tu perds un sens, t'as plus aucun QI. Et là, tu le tentes, là? Ouais. Il est bien parti ou quoi? On va alors là, il est déjà piégé. Et hop, c'est fini. Il lui a fallu deux traits pour revenir sur un trait. Est-ce qu'on peut effacer? Je tente. Bon, très facile. C'est très très simple. On commence par là. Très très facile. Attention parce que... Oh? Bah non. Oh, Pierre. Alors? Grosse erreur. Là, t'as dépassé. Je trouvais la voix un peu petite. C'était pas mal, tu partais pas mal, mais effectivement, après, t'as pas pu revenir. Et maintenant que j'ai eu le temps de réfléchir, je l'ai. Ouais. Pas mal. Oh oui. Oh oui. On le voyait bien, la cam? C'est l'orange hein, qui vous regardez. Enfin, le... Parle toujours du stylo. L'orange, enfin, vous fixez sur le... L'orange. Et ça s'appelait comment, le Boat Joe Challenge? Perfect Boat Challenge, c'était... Ça a été un challenge sur TikTok pendant des années, depuis 1992. Ah oui, c'était il y a longtemps, TikTok, en fait. À chaque fois que quelqu'un gagne un jeu, on fait une promo de son TikTok. On met ton TikTok, là? En plus, ça poste fort, là. Je fais un TikTok par jour. Non. Il est en daily TikTok. Eh ouais, ma gueule. Il y a un premier story time qui va arriver très vite, et c'est comment je me suis bourré la gueule avec l'homme le plus grand du monde. Et c'est une vraie histoire. J'avais des échasses ce jour-là. On passe au challenge suivant. Vous avez remarqué que j'ai plus mon doigt qui pue? Je ne l'avais pas vu! On est d'accord qu'il est toujours plié? Non, en fait, là, maintenant, je peux plus le plier. Avant, je pouvais pas le déplier, maintenant, je peux plus le plier. Et c'est quand que tu pourras le plier? Bah là, j'ai un mois de... Rééduque? Ouais, pendant un mois, je dois... Vas-y, les challenges TikTok. Vas-y, les challenges. Tu l'as donné à qui, ton plâtre? Je le vends aux enchères. En commentaire. Y'a rien qui vaille. Je vois une bougie décollant, y'a rien qui vaille. Moi, ça m'excite un peu. Le principe est très simple, il faut mettre le collant, les autres peuvent déranger. Le but, c'est d'éteindre la bougie. Comme ça? Non, c'est pas un spectacle de marionnette un peu malaisant. Le but, c'est d'éteindre la bougie en premier. Bah ouais, bah la dernière fois, j'étais entre deux cuisses, je vais me dire, ça c'était une poissonnerie. On la garde pas, Pierre, celle-là. Le plus gros malaise de TikTok avant ça, c'est ton quoi-coup. Tu veux commencer? Tu as l'air très très chaud. On fait chacun son tour, on met un chrono. Disclaimer premier degré, faut faire attention à pas s'approcher trop près de la bougie parce que ça crame facilement. C'est vrai. Ah, c'est agréable. C'est pas possible que tout soit agréable. Tu mets un cache-œil, c'est un cul qui est agréable. Pourquoi lui, ça lui fait un peu le visage? Alors que mon zen, normalement... Pourquoi on n'est pas choqué du visage malsain? Mais moi, je vais le garder à la fin du tournage. Attention, 3, 2, 1, let's go. Oh, bien. Pas mal. Ça fait très sadomaso, les deux mecs qui tirent derrière. Je pense que si on voit la scène, on est comme ça. Mais regarde où il est son nez. Mais son nez, il est plus... Il est pas au milieu maintenant. Il a cassé. En fait, on vient de découvrir que 70% de ton nez, c'est que la chair et le cartilage qui peut... En fait, t'as un tout petit nez. Mais c'est ce que je m'évertue à dire, mais personne dit « Ah, t'as un gros nez ». Non, j'ai beaucoup de cartilage. Tu peux pas dire le mot « évertue » avec un collant sur la tête. On dirait qu'il a envie, il a envie. Oh oui. Ça va bien avec ta nouvelle coupe. Il est très droit. T'as un visage très droit pour info. 3, 2, 1, c'est quand tu veux.
Mais c'est rapide. Ah ouais, il était bon. 5 secondes 67. Ah bravo. En vrai, ça te va bien. Avoue que c'est pas désagréable. C'est d'ailleurs quand on te tire hors tirage, ça fait un petit voile un peu sympa. C'est très joli. Ouais, je trouve que ça fait un effet un peu maquillé. Mets-toi l'entrecuisse au front. Eh ben, en vrai, ça va, vous êtes BG, hein. Non, on n'ira pas jusque là. Si, si, bah attends, je le remets, tu vas voir. Là, il y a une belle testasse, là. Aïe, aïe, aïe. Allez-y, allumez-moi. Oh, il y a la moustache qui ressort. Touche. Et c'est pas désolé. Mais elle ressort totalement en plus. Hein. Attention, ne refaites pas ça chez vous avec. Faites attention à l'étouffement et au feu. Hein. Attention à pas faire des choses puériles. Trois mecs chelous qui donnent des conseils. 3, 2, 1. C'est impossible que tu arrives. On est là. Là, c'est impossible. Là, lâche-le pas, Léo. Ça bouge pas, ça bouge pas. Lâche-le pas, cette bête féroce. Ça bouge pas. J'ai un peu envie qu'il réussisse quand même. Ah, ah c'est réussi. Le score de Pierre. 16-30. Ah, vous m'avez tiré. Ben, t'as le droit de faire la promo de ton TikTok. Alors, allez sur mon TikTok, mais ne regardez pas la dernière vidéo là, mise en date. Bien, il y en a une qui a fait pas mal de vues, vous la regardez pas. Par contre, vous regardez tous les petits sketchs à côté. Il fait des petits sketchs sur TikTok. Ouais. Ça vrai. Change de ce que tu fais sur YouTube. Et moi, j'aime bien. Merci Pierre. Et ça change de ce que tu fais sur YouTube. Ah, tiens, une suivante. Challenge suivant, il va s'effectuer avec le filtre. Ah, il est horrifiant le mien. En gros, c'est très simple, ce filtre, dès qu'il repère le moindre changement de visage, il devient en horreur. Allez, je te laisse tester. Oui, d'accord, ok. Ça te va mieux? C'est le Horror Lemon Challenge, c'est très simple. C'est un plat que j'ai cuisiné. On va devoir prendre ce petit citron vert et essayer de l'avaler et de le croquer sans que le filtre démarre. C'est-à-dire en restant le plus neutre possible. Nos mimiques, comme je l'appelle. On l'avale? Non, le jus. Et pour accompagner ce petit citron vert, je vous ai cuisiné un petit poulet curry indien. Bah, ça fait plaisir, merci Pierre. Et vous savez grâce à quoi je l'ai fait? T'as forcément eu des bons ingrédients, j'imagine? Ouais, frais. Grâce à HelloFresh. Wow! Donc, pour ceux qui connaissent pas HelloFresh, monsieur, on en a déjà parlé sur d'autres chaînes, sachez que ce sont des kits repas que vous recevez à domicile pour cuisiner à partir de 3,60€ le repas. Financièrement, c'est à 3,60€. Donc, c'est des kits que vous commandez à la semaine et chaque semaine, vous pouvez choisir 5 recettes parmi les 21 proposées et sur le site, vous précisez combien de personnes mangeront. Comme ça, ils vous envoient les quantités requises. 18 personnes, 18. Non, pas de max. Là, vous avez le plat de pierre. Vous avez un wrap au pois chiche grillé feta. Je me suis dit un petit truc végétarien pour partager. Bah celui-là, il va partir ce Menger. Bah oui, il va partir. Et oui, il y a des recettes faciles pour ceux qui ont pas forcément les facultés manuelles de cuisiner. Ça, c'est à ma portée, je pense, par exemple. Ça t'a porté? Même pas sûr. Ouais, pas sûr. Il y a beaucoup. Donc, le principe, c'est très simple. On l'a déjà essayé plusieurs fois en plus. Une fois que vous avez commandé, vous recevez la box avec tous les ingrédients et toutes les consignes et la petite fiche qui vous explique exactement comment faire la recette avec le résultat en plus. Honnêtement, même pour quelqu'un qui ne sait pas cuisiner ou pas très bien comme moi, c'est très très accessible. Et produits frais, hein, produits frais. Donc le but, vous l'avez compris, c'est se faire plaisir en cuisinant avec des produits de qualité, dans des bonnes proportions, parce que comme ils ont les bonnes proportions pour les bonnes personnes. Pour éviter le gâchis. Pas de gâchis. Et bien sûr, passer un moment sympa en cuisinant, parce que c'est toujours plaisant de cuisiner avec des produits frais. Là, tu prêches un convaincu. Moi, j'ai une angoisse, c'est d'aller dans un supermarché et de devoir choisir des ingrédients quand il faut choisir les ingrédients exacts, et j'avais pu tester HelloFresh il y a quelques temps. Royal, franchement. Et c'est important de préciser que les box HelloFresh sont plus écologiques que le système alimentaire traditionnel puisqu'on est sur des circuits plus courts d'approvisionnement. Donc, si vous voulez vous faire plaisir, cuisiner avec HelloFresh, ils sont très généreux. Ils vous offrent jusqu'à 85€ de réduction sur vos 4 premières box avec le code CHEFPIERRE. Lien en description pour aller checker ça. Faites-vous plaisir, allez voir la recette. Et petit plus pour terminer, ils vous offrent la livraison sur ces 4 premières box. Toujours avec le code. Allez checker ça, faites-vous plaisir. Mangez bien, on va manger bien. Est-ce que vous êtes prêts? Très prêts. Je me rends pas compte de la difficulté du défi. On essaie un essai chacun. Dès qu'on passe en démon, on laisse le téléphone à l'autre. Rien que le fait d'ouvrir la bouche. Ah oui, c'est compliqué. C'était bien au début. C'était très bien. Ah, testas. Attends, mais au début, t'as réussi à... J'ai tout réussi, mais après, j'ai que croqué. Et après, j'ai avalé. Allez, Léo. Chaque fois, on met des citrons différents, quand même. Non, Léo, tu le sais que non. Ouais, direct. Parce qu'il a vu. Il a vu la faiblesse, la fragilité de l'homme. Ok, regarde. Mais je comprends pas, hein. Bien joué. Ah, c'est pas évident, hein. Ça part déjà, en fait. Attends, il y a Léo. On dirait un démon, mais pas méchant. T'es genre, salut. Désolé, je passe dans le plan, frère. Salut. Allez, ben.
J'ai rien fait là. Regarde comment je parle. Ça existe pas un démon avec un fou rire. Non. Y'a pas de. Vas-y Léo. Oh la tentative de. Ouais mais c'est pas grave. J'ai raté ma bouche et je l'ai pris de travers. Eh, c'est pas mal. Non, on considère qu'il a réussi là. Bravo Pierre, bravo Pierre. Ah oui oui, c'est réussi en vrai. Franchement, bravo Pierre. Alors, bien joué. On est à un défi chacun réussi. Bah faites la promo de votre TikTok. Allez, allez sur mon TikTok de temps en temps. Je crée pas de TikTok, par contre je mets des montages, des remixes un peu, des meilleures séquences. Donc pour ceux qui sont nostalgiques des meilleures séquences de nos vidéos, il y a des extraits. Voilà. Ok, challenge suivant. On est sur le Slapping Tortilla Challenge. C'est très très simple. On est avec un verre d'eau, on remplit nos bouches d'eau, on fait un pierre-feuille-ciseau. Celui qui perd se prend une tortilla à la gueule et ne doit pas cracher, c'est ça? On remplit tous les trois notre bouche. Pierre-feuille-ciseau. Si je gagne contre Léo, il se prend une tortilla à la gueule. Etc. C'est des petits matchs. Attention, c'est parti. Je bave. Ah mais moi aussi je bave en fait. Oh j'arrête. Dernier match, dernier match. C'est incroyable. Dernier, vous voulez en faire un dernier? Ah c'est beau. T'es gentil. On finit là-dessus? Ouais. J'ai rarement autant ri dans une séquence, hein. Non, mais on critique les challenges TikTok des fois en disant c'est des trucs de gamin, mais... C'est drôle, hein. Première expérience de cinéma muet aussi pour un temps. Et on se comprenait. Oh, il y a un démon. Il refait le démon. Je crois que Victor Deven, c'est celui qui a le moins... je t'en ai envoyé une belle avant. À un moment donné, tu mets des pognes, en fait. Ah oui, au début, ouais. Il la prend comme as, et puis il met des... Ouais, mais tu sais qu'à la limite, je crois que ça fait limite moins mal ça que les bien claqués sans la main derrière qui déchirent le visage. Hein. Non. D'accord, pardon. Challenge suivant. Challenge suivant, très très connu, très classique, mais on l'a jamais fait, on va le faire. L'Oreo part d'ici, et sans les mains, on doit réussir à le manger. Le premier qui arrive gagne. On n'est pas tous égaux, hein, messieurs, moi j'ai un terrain de crosse hein, là. Hein. T'as un tremplin, il peut rater la bouche. Son Oreo, il fait un démarrage en côte. Parce que petit disclaimer, ça fait trois challenges qu'on fait avec de la nourriture, on joue pas avec la nourriture, on essaie de ne pas gâcher, ça on pourra le manger. Attention, c'est parti. Je sais pas du tout comment se sortir. Bah, je sais pas quoi faire. C'est naze. Oh oui, ça bouge. Je vais essayer de le faire glisser dans l'œil. Je claque de la mâchoire. Ah, c'est bon. Il va sur le côté. Alors, faut peut-être que je le mette comme ça. Ça va. Oh, il est beau. Oh, Ben, il l'a fait. Il l'a fait, oui. Oh, je suis bien. Ah, il est pas mal, Pierre. Il est pas mal. Oh non! Règle des 90 jours. S'il reste moins de 90 jours au sol, tu peux le remanger. Deuxième. Oh, il est joueur, le Benjos. Attends, moi, c'est bon. Pourquoi je joue avec le robot de quelqu'un d'autre? Oh, t'as presque gagné. Allez, c'est maîtrisé. Ah! Bon, moi, j'abandonne. Ah!
Tu l'as, ce raté? J'ai envie de déglutir, mais là. Mais il est bloqué, moi. Ah, j'ai rien. Ah! En fait, j'ai le nez très droit, ce qui fait que jusqu'au nez, c'est un toboggan. C'est ce qu'on appelle le nez romain. Alors que moi, bon. Ouais, toi, t'as un nez barbare, toi. Il est en mode Tony Hawk. Il slide sur l'arête. Oh, j'allais le faire, j'allais le faire. Moi, j'ai une belle surface, donc il peut vraiment déployer tout son potentiel. Il peut limite. Il prend trop de vitesse sur ton nez. Il est en Club Med, il est en séjour. C'est à son balnéaire, le nez de Léo. Oh, il sort le monoï. Ah, putain. Ah, merde. Je vais se glisser. Peut-être en réflexe comme ça. Mais Ben, je sais pas comment t'as fait en vrai. Ah, j'ai de l'oréo dans l'œil. Ah, je le vois. Je le vois là. Et là, il est sur mon nez. Hein. Chloé, en fouille retenue. J'aime bien quand tu. Oh, Ben, il vient de placer le deuxième. J'ai vu ça. Ah, j'ai vu. Oh, il est trop chaud, bien joué. Effectivement, ton nez, il est parfaitement aligné. Ouais, pour... il est adapté aux oréos. Tiens, moi, je suis chauffé pour challenge. T'as un nez à oréo, toi. Ouais. Bien joué, Ben, en vrai. Mais je te remercie. Attends, je vais le marquer dans mon CV maintenant. Eh bien, bravo Ben. Ah bah là, c'est mon game. Je suis désolé, je vous ai mis des fessées. On passe au dernier challenge. Mélo, félan, mélan, pélan, célan, pi. Bon, on a mis des chaussures parce qu'on risque de salir. Oui, j'ai gardé mes baskets. Ouais. on va vous mettre l'extrait de ce qu'il faut faire parce que c'est pas facile à expliquer. On le met juste maintenant. Il va falloir refaire la même chose, messieurs. Ah, qui veut commencer? Allez, chaud. Et moi, j'ai toujours été chaud, moi. Depuis, je me rappelle, l'école maternelle qui est chaud, je suis chaud. Ouais. Donc là, tu m'ouvres un coxen, comme on les appelle. J'ouvre un coxen. On enlève le bouchon. Ensuite, tu mets sur le ballon et tu vas faire un rebond, un tour. Allez, bon courage. Ouais, bon courage. Ouais. Eh, on gâche pas. Pierre, c'est à toi. Pierre, il va le faire du premier coup, je le sens. Je le sens. C'est ridicule. Léo, eh, gâchez pas du coquin. Non, on boit tout ce qu'on peut boire. Oui, Léo. Oh, c'est satisfaisant. On gâche pas le coca. Et je suis à peine taché, en vrai. Hein. En vrai, Moi, j'ai plus de bulles, par contre. Hein. Et si on parle vrai, on part avec le cœur, c'était le défi pour moi, peut-être le moins fou. Bon, honnêtement, je suis d'accord, c'était pas le plus fun. Gros fou rire sur les tortillas. Tortillas, j'ai bien aimé le collant. Hein. Et les tortillas, on peut le refaire chez soi, faites-le chez vous avec votre grand-mère, n'hésitez pas. Alors, non, des potes, parce que la grosse giflasse à la mer grand, c'est... Fin de vidéo, merci les gars. Merci encore une fois à HelloFresh. Je vous rappelle qu'il y a 85€ de réduction sur vos 4 premiers packs commandés avec le code CHEFPIERRE. Et en plus de ça, la livraison est gratuite. Allez tester ça, allez checker leur site, le lien en description. Et puis les TikTok des copains. Bah avec plaisir. Un TikTok par jour, toi t'en postes quasiment toutes les semaines en ce moment. C'est assez hebdomadaire. Il y a du rythme, donc allez checker ça. Merci à tous, fin de vidéo. Ciao.